Eh bien, chers amis, bonjour, chers amis fidèles de la radio La Voix de l'Espérance. Nous sommes heureux de nous adresser à nouveau à vous en cette belle journée. Eh bien, nous vous souhaitons une très, très cordiale bienvenue et surtout une large bénédiction euh, sous le regard de notre Seigneur. Vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube du Centre Média Adventiste cordial bienvenue à vous et vous aussi qui nous suivez sur la web TV Hope Channel Polynésie. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des questions si vous avez envie d'être éclairé sur certains points de la leçon ou bien sur tout autre point concernant donc euh, euh, la parole de Dieu. Cette semaine, nous sommes déjà à la douzième leçon et le titre de notre leçon s'intitule ⁇ Gérer les mauvaises décisions ⁇ Eh bien, j'ai avec moi le pasteur Wilfrid. Bonjour pasteur. Bonjour. Jean. Voilà, et... Amis auditeurs, je... ceux qui nous regardent, bonjour c'est à vous. Mm -hmm. Voilà, donc merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager la parole de Dieu aujourd'hui sur ce plateau de l'école du sabbat. Eh bien, gérer les mauvaises décisions. Chacun de nous, chaque jour, nous prenons des décisions. Parfois des décisions automatiques, ça, ça tombe de sens, mais certaines décisions sont un peu plus dures à prendre, prennent un peu plus de temps de réflexion, demandent plus de temps pour la réflexion, pardon. Et euh, ces décisions-là... Peuvent avoir de lourdes conséquences, quelle que soit la décision. En tous les cas, sur notre avenir, des décisions heureuses comme des décisions malheureuses. Eh bien, cette semaine, nous verrons donc euh, les décisions qu'ont dû prendre les enfants d'Israël et aussi donc Esdra et Néhémie. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je demanderai à notre pasteur Hay de nous unir dans la prière. Père éternel, dernier jour de cette année 2019. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te remercions, Seigneur, pour euh, ce moment que tu nous donnes de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir partager ensemble, de pouvoir euh, réfléchir et méditer, Seigneur, sur euh, ce thème, des décisions, des choix que nous prenons. Et Seigneur, le... c'est effe effectivement un bon moment pour euh, réfléchir à la gestion des mauvaises décisions car euh, nous nous apprêtons à tourner. Une nouvelle page, une nouvelle année qui arrive. Donc, nous pouvons poser de nouvelles résolutions, mmh. corriger ce qui, ont, ce qui a été euh, décidé auparavant. Euh, Seigneur, nous demandons que ton Saint-Esprit nous guide aujourd'hui dans notre discussion, dans notre réflexion. Au nom de Jésus. Amen. Et eh bien voilà. Euh, gérer les mauvaises décisions. Parce que les bonnes décisions, il n'y a pas à gérer. Hein. <laughs> Donc, pasteur. Je pense que comme euh, chacun d'entre nous, tu as été euh, amené parfois à prendre de mauvaises décisions. Et euh, euh, comment, comment le Seigneur euh, a pu récupérer ça mmh. pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, eh bien, soit recoller les pots cassés, soit... Euh, voilà, hein, donc quand on prend de mauvaises décisions, on, sur le coup, parfois, on ne sait pas que c'est une mauvaise mmh. décision. On prend une décision. C'est souvent sur euh, les conséquences, mm -hmm. ce qui suit après, qui, qui démontre si oui ou non euh, la décision qui a été prise est une bonne ou une mauvaise décision. Mm -hmm. Et effectivement, euh, personne n'est exempté mm -hmm. de, de ces situations-là. Il, il peut arriver à tout le monde, mm -hmm. euh, quel que soit le, le rang social, quel que soit le niveau d'intellectualisation, in, voilà. mm -hmm. oui, d'intelligence. Euh, oui. voilà. mm -hmm. Tout le monde. Et amener un jour à prendre de mauvaises décisions. Mm -hmm. Le plus important, ce n'est pas seulement de se rendre compte mm -hmm. qu'on a pris une mauvaise décision le plus important, c'est de pouvoir euh, entreprendre les démarches pour corriger. Mm. Voilà. Ah. Donc, merci, merci donc pour cette euh, ce, ce belle introduction. Hein. Alors, les enfants d'Israël, donc, au temps d'Ezdras et au temps de Néhémie, il y a à peu près euh, 30 ans est, 14 ans qu'il est séparés ou 30 ans, voilà, à vérifier. Mais, euh, ce, dans ces deux laps de temps, eh bien, les enfants d'Israël ont... ont, ont on fait la même bêtise, la même... Euh, enfin, avec de lourdes conséquences en tous les cas. Quand Je, dis, je me permets de dire bêtise parce qu'il y a eu de lourdes conséquences sur euh, le peuple des dieux, leurs enfants hein, et leur relation à Dieu. Alors, on nous parle principalement donc dans, dans notre leçon de cette semaine de ces, euh, ces, 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 ces mariages mixtes. Hein. Alors, nous allons, nous allons voir le, le texte. Alors, d'abord... Le, le texte à mémoriser <coughs> se trouve dans Esdras chapitre 9 verset 6. Et je dis, j'ai honte mon Dieu, je suis confus de lever la face vers toi mon Dieu. Nos fautes se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos torts se sont élevés jusqu'au ciel. Voilà. Avant, avant d'avancer hein, un petit peu sur ce texte-là, j'ai l'impression que voilà je me vois. Je hum. me vois, hein. je n'ai pas à pointer les enfants d'Israël, je n'ai pas à me déporter jusqu'au jusqu temps des enfants d'Israël. Euh, nos fautes se sont multipliées. Et euh... Alors, aujourd'hui, je, je, je confesse mes péchés à Dieu, mais cette honte, hein, je suis confus, j'ai honte, Seigneur, de, de, de regarder à toi. Est-ce que c'est un sentiment humain, c'est un sentiment de culpabilité, il faut avoir, il faut pas avoir ce sentiment-là Est-ce que tu es passé par ça Est-ce que des personnes ont témoigné euh, pasteur euh ils étaient confus, qu'ils ils avaient honte de s'adresser au Seigneur. Ah, effectivement, j'ai croisé des personnes qui, mmh. qui sont venues me voir et qui ont exprimé, on va dire, ce, ce, ce même mmh. sentiment. Mmh. Euh, moi aussi, je suis, mmh. je suis passé par là. Mmh. Il y a eu des moments dans ma vie où euh, je me suis rendu compte de, des conséquences mmh. désastreuses mmh. Euh, des décisions que, que j'ai prises. Mmh. Et, une des premières étapes on va dire de, de, de ces moments-là c'est cette prise de conscience euh, ce n'est pas donné à tout le monde de voilà, de, de se rendre compte mm -hmm. que là ok là voilà. voilà, c'était pas vraiment mm -hmm. le bon choix à faire mm -hmm. euh, c'est ce pas donné à tout le monde d'avoir voilà, mm -hmm. cette prise de conscience et d'avoir cette de d'éprouver ce sentiment de de honte mm -hmm. et de, mm -hmm. hein, de culpabilité mais quand tu entres dans une relation avec Dieu, mmh. j'ai cette image du, du, du miroir. Mmh. Du miroir où voilà, tu te tiens le matin devant et, et tu arrives à voir il voilà, y a une mèche qui dépasse, il mmh. y a un bouton qui est, voilà, ah. la cravate qui est mal placée. Mmh. Ou voilà, et, et tu te mets à corriger mmh. les petites imperfections avant de sortir. Quand tu te places devant Dieu, c'est la même chose, mmh. mais il y a un petit plus, et c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Mmh. Mais cette prise de conscience, elle est importante parce que sans cette prise de conscience, il n'y a pas de correction possible. Ça. Voilà. Mmh. Oui, parce que c'était la, la question suivante. Parce que si je ne suis pas honteux devant le Seigneur, si j'ai pas cette prise de conscience, c'est plutôt ça, hein, l'expression. Le, bah, je suis parfait. Mm -hmm. Mm -hmm. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me pour confesser quoi que ce soit, parce exact. que je ne me rends pas compte que je suis dans ma misère. Mm -hmm. Et ce qui, ce qui est extraordinaire Donc, avec Dieu, c'est qu'il va dans, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il va placer des expériences, des personnes même, euh, des, des moments voilà, bien précis pour euh, nous insuffler, on va dire, mm -hmm. cette prise de conscience. Mm -hmm. C'est comme le, euh, le truc de, du morceau de salade coincé entre les dents. Mm -hmm. de et, voilà, et tu te mets à parler, sans te rendre compte que tu as un voilà salade. Voilà. Mm -hmm. Pour toi, tout va bien. Mm -hmm. Mais une fois que ton épouse ou ton ami avec qui tu parles te, te fait remarquer que... On a mis un bout de ça. Mm -hmm. donc, automatiquement, voilà. tu as ce sentiment qui arrive et, et tu te retournes et tu commences à gratter, Même si es devant, quoi, hein, mm -hmm. il faut faire quelque chose. Quoi. Voilà. <laughs> tu, tu veux automatiquement le plus vite possible mm -hmm. corriger ça, ouais. pour rectifier les choses. Mm -hmm. et voilà. Et donc, c'est ce que Dieu fait pour nous. Mm -hmm. il, il va placer des personnes, mm -hmm. il va placer des occasions, des opportunités pour pour que nous puissions avoir cette prise de conscience et nous rendre compte de, de cette feuille de salade mm -hmm. coincée entre les dents. Mm -hmm. voilà. Ok. Merci Pasteur. Donc, le texte qui nous est proposé dans, dans un premier temps se trouve dans Néhémie, <coughs> chapitre 13 versets 23 à 25. <coughs> je vais lire. Hein. Alors, j'étais, je, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris à la lecture. Hein. Euh, C'est d'une autre. Et pourquoi Voilà. Néhémie chapitre 13, versets 23 à 25, à cette même époque, je vis des juifs qui avaient. Donc voilà, c'est lui qui voit, hein, il mm -hmm. prend conscience. Hein. Je vis des juifs qui avaient pris des femmes adodiennes, euh, ado, ado, ado <coughs> pardon, asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissait que la langue de tel ou tel peuple, alors on va s'arrêter peut-être là parce qu'après oui. c'est un petit peu, c'est un petit peu. Euh, voilà, abrupt après. Hein <laughs> voilà, donc on parle, on parle de langue ce matin, et lorsque on parle de langue, je, 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 je fais référence en tous les cas, j'ai un lien en tous les cas avec la culture. Oui. Voilà, donc. Quel est le souci ici Donc des Juifs, des enfants Juifs, donc qui euh, Alors les, les épouses ne sont pas Juives et les enfants ne parlent pas mmh. le Juif ou bien l'araméen de à l'époque donc des enfants. Mmh. Comme, comme nous avons pu le voir durant ce trimestre passé, mmh. mmh. euh, Néhémie a été appelé à être un leader d'une communauté euh, qui sort on va dire une période euh, de d'exil. Mm. Durant cette période d'exil, donc il il y a eu des mariages mm. entre le peuple juif et, et, et d'autres nations, comme il est mentionné là dans, dans le verset. Et là, dans, dans les deux premiers versets que tu viens de lire hein, de Néhémie, on voit on va dire une des premières conséquences directes de ces choix, de ces choix là, mm. de ces choix. Et ce n'est pas une hein, ce n'est pas une conséquence Légère. Mm. Euh, là, lorsqu'on a lu les versets, mm -hmm. on nous dit que les enfants de ces mariages mm -hmm. ne parlaient plus leur langue. Ça. Euh, ils mm -hmm. parlaient la langue de leur mère. Mm -hmm. euh, C'est une conséquence grave dans le sens où les écrits de la parole de Dieu mm -hmm. euh, étaient dans, dans leur langue. Mmh, ouais. Et donc, le fait qu'ils ne comprenaient <coughs> pas, <coughs> euh, ils n'avaient plus, entre guillemets, accès mmh. à la parole de Dieu. Ouais. Et, et, et la parole de Dieu, ben, c'est le socle par lequel euh, nous construisons euh, notre relation avec Dieu. Mmh. Donc, ces enfants-là, dès leur naissance, étaient déjà coupés mmh. de cette relation-là, de ce lien avec, avec leur Dieu. Mmh. Voilà. voilà. Donc. Euh je, je me mets à la place des, des, des enfants d'Israël. Hein, euh, lorsque je vois un petit peu ces, ces mariages mixtes-là, le, le, le texte qui me vient à l'esprit, c'est dans Genèse. Hein, « Et les fils euh, de, de, de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Mm » -hmm. Donc voilà, hein, ce n'est pas de maintenant, c'est depuis l'origine. Hein, qu'on voit un petit peu par-dessus la clôture, qu'on mm -hmm. voit un petit peu par-dessus l'épaule et... Euh, que, mais elles sont belles aussi. Mais où est le souci, pasteur On s'aime. <laughs> voilà, hein? elles sont belles, euh, on s'aime. Donc, un des soucis que tu viens de souligner, c'était donc ce, ce lien qui est coupé mmh. avec Dieu hein? au travers de la culture, de la langue. A... Alors, euh, comme on a pu le voir dans, durant ce trimestre passé, euh, il, il y a ce retour de l'exil. Mmh. Le but du retour au départ, c'était de reconstruire la ville et la muraille. Mais ce n'était pas seulement de reconstruire ça. C'est le, le, le véritable but de ce retour d'exil, c'était de, de bâtir le peuple de Dieu. Et donc, poser. Et donc, et donc les, les deux éléments constitu, constitutifs de cette reconstruction du peuple de Dieu, c'était le temple. – et, 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 et la ville, la muraille. Hein? – Comme voilà. on a pu voir hein, mmh. dans, dans le voilà. sous <coughs> euh, Nous allons voir durant cette étude, dans ce moment de partage, que le, le plus compliqué, ce n'était pas de poser brique sur brique. Ce n'était pas l'aspect physique. Mmh. Mais c'était de, de, de pouvoir, on va dire, réformer mmh. euh, ce qui a été mélangé. Mmh. Et de pouvoir reconstruire, rebâtir un peuple euh, uni à son Dieu. Avec une identité particulière. Voilà. Mm -hmm. et, et là, dans ce, dans ce verset-là, mm -hmm. Néhémie, il fait un, un constat euh, qui, pour lui, est catastrophique. Ouais. Parce que ben, la lecture de, de la parole se fait dans leur langue natale. Mm -hmm. euh, L'adoration, les mm -hmm. cultes euh, euh, se, se célèbrent dans leur langue natale. Mm -hmm. Mais. Aucune des personnes de cette nouvelle génération ne pouvait comprendre cela, ne ouais. pouvait comprendre, on va dire, l'adoration, la lecture de la parole. Mm -hmm. Et donc, il y, avait, il y avait déjà ce mur mm -hmm. entre. En fait, il y avait un vide. Il y exact, avait un vide. Exact. Voilà. voilà. Et donc, Néhémie met en avant mm -hmm. une des premières conséquences, on va dire, directes euh, de ces mariages mixtes. Mm -hmm. Ok. Donc, c'est lorsque, lorsque on, on pense euh, en Polynésie, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs cultures. Il y a le français qui vient euh, en mission deux ans, quatre ans, six ans. Euh, le métropolitain, donc. Ensuite, tu, on a, il y a des visiteurs américains. Il y a d'autres voilà, cultures qui, qui se mélangent à la nôtre, Il y a les Chinois qui se sont mm -hmm. installés depuis, depuis un moment. Hein. Donc, en Polynésie, il y a un petit mélange qui, qui s'est fait et euh, lorsqu'on parle on pense polynésien mais on pense pas européen mmh. et donc les, 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 les pas les chocs on peut s'enrichir hein? c'est ce que on pourrait peut-être voir au travers des mariages mixtes mais c'est un enrichissement mmh. hein? donc euh, dans cet enrichissement j'entends j'écoutais donc euh, euh, quelqu'un à la radio ce matin qui disait que lorsqu'on transmet nos, notre culture euh, en, en, en l'occurrence le hol au, au japon par exemple en, en amérique et eh bien et qu'on a une partie de leur culture et eh bien quelque part on se perd <laughs> donc ah. je pense que c'est la même chose ici avec les enfants d'israël On s'enrichit mais on se perd aussi quand même quelque part. L'exemple de notre peuple polynésien est mmh. un exemple parfait. Mmh. Euh, et, il y a l'enrichissement, mais en même temps, il y a aussi des pertes. Mmh. Et si on, on suit un peu hein, les, les, les actualités, les médias, c'est une des grandes inquiétudes mmh. de nos dirigeants, de nos leaders euh, euh, du pays. Euh, je, je prends mon exemple, tout simple. Mmh. Je, je, je parle français. Je ne parle pas thaïtien. Mmh. Je comprends le thaïtien. Bienvenue au club. <laughs> je, je. On va dire que je, je fais un, une salade russe. Enfin, mmh. Voilà. À, à chaque fois que je rentre chez moi et que j'essaie je, d'entamer de une conversation avec mes grands-parents, mmh. un grand-parent qui parle uniquement le thaïtien, très mmh. très peu le français, uniquement le thaïtien. Um, à chaque fois, au, au bout d'une de, de, minute, mes, mes grands-parents ils s'énervent. C'est quoi ce langage-là Et aujourd'hui, si tu prends le temps de, de t'asseoir quelques secondes avec les jeunes, mm. euh, ils ne parlent ni français ni thaïsien. Mm -hmm. T'as une, une nouvelle langue qui s'est créée, mm -hmm. <laughs> qui est un mélange d'anglais de français, de, de thaïsien, mm -hmm. ils ont même des, des termes qu'ils ont inventés. Inventés tout à fait. Et, et aujourd'hui, j'entends plusieurs associations, plusieurs leaders euh, qui, qui craignent mm -hmm. que notre langue disparaisse. Mm -hmm. Et c'est désastreux mm -hmm. parce que c'est la langue, c'est notre identité. Ça. Euh, je, je me rappelle lorsque je suis allé en, en Papouasie pour étudier, au sein de, du campus, il y avait plusieurs communautés. Mm -hmm. Tu avais les Tangiens, tu avais les Samoas, tu avais les Fidjiens, mm -hmm. les Papous, les Salomonais, ils, ils étaient tous là. On parlait tous dans le campus une langue, l'anglais. Mm -hmm. Mais il arrivait mm -hmm. quelquefois que voilà, les communautés se retrouvaient ensemble. Mm -hmm. Et étant le seul tahitien, mm -hmm. je me joignais mm -hmm. quelquefois avec les Fidjiens, quelquefois là. Et à chaque fois que le, les communautés se retrouvaient ensemble, ils parlaient leur langue natale. L'identité était là. Voilà. <coughs> les Tongiens parlaient en Tongien, mm -hmm. les Samoans, Samois, en samois mm -hmm. etc. Et un jour, un ami, un grand, un grand copain de moi me dit « Tu parles Thaïsien ?» Il lui dit « Je… » Paragouine. Voilà, je paragouine <laughs> du Thaïsien, mais je ne parle pas Thaïsien comme mm -hmm. vous, vous parlez Tongien. Ah. Et, et j'ai vu sur son visage, il, il était triste. Mm. Il me dit, mon ami, il faut que tu apprennes ta langue. C'est mm. ton identité, c'est mm. voilà, ton peuple, c'est ta langue, c'est ce que tu es, tu es un Tahitian. Mm. J'ai dit, oui, mais euh, j'ai grandi dans une époque où <coughs> voilà, la langue française était imposée, mm. les cours se faisaient en français, etc. Quand je rentrais à la maison, mes parents, mes parents faisaient un effort de parler en français. Mm. Et on ah, était grondé si on parlait en français, en exactement, thaïsien. Hein, voilà. C'était la main et la règle. Hein. Exactement. Aujourd'hui, euh, mes enfants, malheureusement, mm -hmm. ils, ils ne comprennent pas le thaïsien. Mm -hmm. J'essaie mm -hmm. de leur inculquer. Et mm -hmm. Je vois que ça leur intéresse, mais effectivement, c'est une langue qui va disparaître. Mm -hmm. Maintenant, c'est triste parce que en décembre, je, je, je rentre chez moi et à chaque fois que je rentre chez moi, je vois mes grands-parents. Mm -hmm. Et je leur demande souvent de me raconter les histoires d'antan. Oui, oui. Cette, cette transmission Ce sont voilà, des... orale. Tout à fait. Et je me rends compte que c'est tout un patrimoine qui va disparaître. C'est ça. C'est des encyclop encyclopédies qui vont disparaître. Exact. Mmh. Et là, on a la même situation. Mmh. Tout à fait. Tu as un peuple qui est en train de s'effacer. Mmh. La langue d'origine n'est plus parlée. La langue par laquelle ils sont identifiés. La langue par laquelle ils il parlent, ils communiquent et ils adorent Dieu. Mm -hmm. et, et on va voir tout de suite après la réaction de, de, Néhémie, de Néhémie quand il va faire ce constat. Mm -hmm. euh, C'est une réaction mm -hmm. plutôt virulente. Hein? ça. C'est ça. Ben, C'est ce que nous allons voir maintenant. Hein. Donc, merci Pasteur pour ce, ce parallèle entre les, les, les Polynésiens, les Tahitiens, et euh, le peuple de Dieu qui, qui n'a plus cette langue-là. D'ailleurs, quand on a commencé la lecture de Néhémie, eux, ils ont demandé à ce qu'on leur lise. Mm -hmm. Et il y avait des interprètes pour pouvoir... traduire, pour pouvoir expliquer, s'assurer que ce qui est lu est bien compris. Ils étaient obligés voilà. de passer par là. Ils étaient obligés de passer par là. Hein. Alors, euh, toujours dans Néhémie, donc chapitre 13, verset euh, 25 maintenant. Alors, donc, quand il s'est rendu compte que ces, ces, ces enfants de mariage mixte euh, ne parlaient plus leur langue et même ne connaissaient plus leur langue, donc euh, ils comprenaient peut-être même plus la langue, hein. eh bien, verset 25 nous dit, je leur fis des réprimandes. Bon, ça va. Hmm. Je les maudis. Ah, le degré commence à monter. Ouais. J'en frappais quelques-uns. Aïe Ça monte un peu plus. Ça hein. monte un peu plus. Je leur arrachais les cheveux. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. Donc voilà, voilà un texte qui va crescendo. Des, des, des réactions, je ne sais pas si ce sont des actions, hein. ce sont des, des, des actions ou des réactions de, de Néhémie, et qui vont crescendo. Donc, euh, on peut en parler. Mmh. On peut en parler, pasteur. <laughs> <coughs> um, quand, on, quand on tombe sur euh, des textes comme celui-ci, mmh. et d'autres textes encore, uh, il, il faut bien se rappeler du contexte. Mmh. Et ne pas prendre les textes ici, voilà, pour et, le droit, et, le droit, et automatiquement l'appliquer comme ça. Mm -hmm. hein, il, il y a une quête derrière, il y a une situation bien précise. Mm -hmm. Et il y a un objectif à atteindre. L'objectif, au temps de Néhémie, c'est de retrouver ce peuple. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas la première fois que cette situation mm -hmm. arrive. C'est mm -hmm. ce qui a engendré chez Néhémie... Cette, ce, cette, cette colère, on va dire. Mm. Parce qu'elle est jusqu'à arracher les cheveux. C'est ça. Euh, voilà. Mm. Le peuple d'Israël est passé par plusieurs phases. Mm -hmm. Et il y a eu des moments mm -hmm. où euh, le peuple d'Israël était complètement euh, effacé, on va dire, dans, dans, mm. dans, dans, dans leur, leur relation avec Dieu. Mm -hmm. Coupé de leur relation avec Dieu. Et cela était dû à ces mariages mixtes. Mm. L'histoire a montré, et encore une fois là, le peuple d'Israël, quand tout allait bien, ils avaient le temple, ils avaient l'adoration avec Dieu, ils mm. avaient leurs leur, leur coutumes, leurs pratiques, etc. Et à partir du moment où euh, les mariages mixtes ont commencé, ils ont bâti des autels dédiés aux au dieux mm. de leur épouse-époux, mm. juste à côté du sanctuaire juste Sur une colline pas loin. Mmh, sur les hauteurs. Ouais. Et petit à petit, mmh. ces idoles sont venues et ont eu leur place. Prédominance. Donc au sein mmh. du peuple. Et petit à petit, ce n'était plus une question d'avoir que les épouses et leurs idoles, mmh. Mmh. mais les maris commençaient aussi à mmh. pratiquer, mmh. à suivre l'épouse dans son adoration. Et Il y a eu ce mélange là, ils adoraient Dieu mmh. et en même temps ils adoraient les idoles, mmh. et donc voilà ce, 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 ce melting pot, ce, ce mélange mmh. religieux hein, mmh. euh, qu'il y a eu, c'est pas la première fois, oui. et donc pour Néhémie, pour lui, c'est vraiment trop. Mmh. Ils et... savent que on est passé par là, mmh. on a vu mmh. ce qui est arrivé, et voici on recommence. On recommence encore. Mm -hmm. Et c'est pour lui quand il a vu le peuple, pour eux le mariage mixte, ça faisait partie de, c'est la vie. Mm -hmm. Voilà. Quand tu disais au tout début, elle est belle, peu importe en qui elle croit, mm -hmm. peu importe ce qu'elle pratique, je veux marier avec elle voilà. et puis voilà. Mm -hmm. Et puis comme ça voilà, ben, j'adore aussi son Dieu, elle adore mm -hmm. mon Dieu et mm -hmm. puis voilà. on s'entendra en tous les cas. Un Dieu, deux Dieux, mm -hmm. trois Dieux, mm -hmm. c'est pas grave. Pourvu que mm -hmm. voilà, mais c'est ça qui a fait que le peuple a, a vécu ces moments les plus sombres l'apostasie, hein? l'exil, mm -hmm. mm -hmm. l'esclavage. Mm -hmm. À partir du moment où leur relation avec Dieu a été coupée, mm -hmm. c'est là où le peuple a sombré c'est là mm -hmm. où le peuple s'est retrouvé loin du pays promis mm -hmm. c'est là où le peuple s'est retrouvé. Dans des situations désastreuses et catastrophiques. Mmh. Et à chaque fois, Dieu a dû venir les récupérer et les mmh. ramener. Mmh. 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 Euh, Quelqu'un d'autre a dit quelque chose de similaire. Mmh. Similaire dans, on va dire dans la brutalité hein, mmh. du, du, du texte. Le verset que nous avons dit disait que voilà, Néhémie les a réprimandés, mmh. il les fait jurer, il les... Il a tapé quelques-uns mm -hmm. et arraché les cheveux. Mm -hmm. On peut se dire, mais pour, pourquoi un, un prophète mm -hmm. euh, réagit comme ça oui. Aussi violemment. Mm -hmm. euh, et, et, il y a un texte dans, 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 dans la parole de Dieu, euh, dans, dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, où Jésus parle et il va dire si ton œil est pour toi une occasion de chute arrache-le mmh. car il est préférable pour toi de rentrer dans le ciel sans mmh. cet œil là bon. que tout ton corps mmh. dans la gaine il va rajouter si ton bras est pour toi une occasion de chute mmh. coupe arrache-le, coupe-le mmh. c'est violent c'est violent comme, 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 comme verset de, de dire arrache-le mais, mais derrière ça il, il y a un principe mmh. euh, quand il s'agit de ta relation avec Dieu mmh. il faut tout faire pour que cette relation ne soit pas entachée, coupée mmh. euh, envenimée mmh. et quand on réfléchit bien dans le jardin d'Eden mmh. le mmh. diable a voulu faire croire à Ève mm -hmm. que cette relation qu'elle a avec Dieu, tout ce que Dieu cherche, c'est d'avoir des marionnettes. Mm -hmm. C'est ce que le diable a voulu faire. Tout ce que, il, il a tout fait pour faire croire à Ève que Dieu ne veut pas que tu sois heureuse. Mm -hmm. Dieu, mm -hmm. ne tu mm -hmm. Dieu ne veut pas que tu profites. Dieu ne veut pas que tu t'épanouisses. Mm -hmm. Et donc, il faut que tu te détaches de ce Dieu-là. Mm -hmm. Mais c'est le contraire. Ouais. Un Dieu qui libère. Depuis le début, mm -hmm. tout ce que Dieu désire, c'est que l'homme soit heureux. Il le sort de l'esclavage. Exactement. Tu as fait des mauvais choix, je te sors de là. Et cette stratégie de Satan, mm -hmm. de faire croire que Dieu ne veut pas que l'homme soit heureux, c'est la même stratégie d'aujourd'hui. Mm -hmm. Il va faire croire par. Il, il va nous faire refléter que le bonheur c'est avec lui. Mm. Viens avec moi, tu vas t'amuser. Viens mm. avec moi, suis moi, tu vas, tu vas voir, tu vas pas connaître meilleur, meilleur. bonheur que mm. ça. Mm. Mais à partir du moment où tu t'engages avec lui, mm. c'est la chute, c'est la chute. Mm. Hein? Il y a un fléau aujourd'hui qui touche notre pays, le fléau de l'ice toutes les semaines. De plus en plus, nos autorités sont, sont, sont inquiètes hein, hein, mm -hmm. pour, euh, voilà, pour ce fléau-là. Tout à fait. C'est un des pièges du mm -hmm. diable. Pour dire, tu, tu, veux, tu veux voler Il mm -hmm. yeah, y a ça. Il y a ce produit-là. Tu veux sortir de la pauvreté Il y a ça. Mm -hmm. Avec ça, tu peux aussi s'envoler. <coughs> Mais l'impact de ce fléau mm -hmm. catastrophique. Tout à fait. Il détruit des vies, il détruit des familles, mm -hmm. il, il, il détruit des couples, il, il brise les, la mm -hmm. vie des enfants, mm -hmm. etc. Et C'est la même méthode mm -hmm. que le diable a dans le jardin d'Anne jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. et Le diable va dire aujourd'hui, non, 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 ne, ne va pas à l'église, mm -hmm. tu ne seras pas heureux avec Dieu, mm -hmm. et tu, et tu vas t'ennuyer, Dieu va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas... C'est pas ça. Mmh. Dieu, son véritable désir, c'est que nous soyons heureux. Mmh. C'est ça. Convaincu. Je suis convaincu. À partir du moment où on se rend compte de ça, on comprend que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux, mmh. mais vraiment heureux. Mmh. Pas cette joie, on va dire, éphémère, qui, mmh. qui, qui dure un instant et qui mmh. disparaît tout. C'est tiol vrai. Exact. Mmh. Uh, je vais me rendre compte que ce que Dieu me demande, mm -hmm. ce n'est pas pour son bien lui, mm -hmm. mais c'est pour mon bien moi. Ouais. Voilà. Ok. Alors, pasteur, quand même, euh, <coughs> par rapport à ce, ce comportement de, de Néhémie, hein, euh, certains peut-être responsables euh, pourraient se dire Mais voilà, Néhémie, <coughs> il est à il l'effort. Hein. J'ai quand même, euh, la Bible quand même nous donne euh, trois textes, le premier dont, alors, l'adage la, c'est qui aime bien, châtie bien. Hein? Donc ça pourrait donner l'occasion à certains d'y aller, d'y aller et pas de main morte. Hein? Donc, Proverbe chapitre 3, verset 12, car l'éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il châtie. Hébreu 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le dernier, Apocalypse 3, verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Donc, lorsque je lis ce texte-là, euh, j'ai un, euh, un éclaircissement à, à, à faire ou à demander. Hein. Lorsque Jésus chasse les vendeurs du temps, est-ce qu'il est fâché Est-ce qu'il est. C'est -ce qu de la violence Est-ce qu'il les frappe vraiment Lorsque, lorsque Nehemi frappe quelques-uns et arrache les cheveux de, de, des autres et il fait jurer, est-ce que ce texte me permet, en tant que responsable, d'y aller aussi et pas par le dos de la cuillère Comment, comment conseiller lorsqu'on a un responsable qui, qui agit comme ça, qui utilise la violence, mmh. et com co comment faire comprendre que d'abord c'est passé de d'époque, <laughs> même si même si tu as pris conscience que nous sommes dans une galère impossible, est-ce que on peut accepter, est-ce qu'on peut justifier, est-ce que voilà voilà un petit peu les, les, les questions qui, qui qui me viennent à l'esprit, hein. ok. Alors, une chose frâché, à pas <laughs> une chose à clarifier. Oui. Euh, l'exemple que tu, les deux exemples, l'exemple mmh. de néhémie et mmh. l'exemple de Jésus avec mmh. le temple, mmh. ce sont des, 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 des exemples dans des contextes bien précis. Voilà. Ouais. Et ce oui. ne sont surtout pas des textes à prendre et à appliquer en voiture voilà. Mmh. Mmh. Euh, Jésus au temple, le texte vraiment exprime de la déception. Mm. Jésus était déçu mm. qu'on ait transformé le temple de Dieu en un lieu où euh, un es marché. escroquerie, mm. vol, etc. Et mm. l'adoration était détournée. Mm. Ah. Et surtout que c'était là que les païens, de, les exact. étrangers exact. venaient exact. adorer à cet endroit-là, pas dans le temple, à cet endroit-là. Et c'est cet endroit qui a été occupé par exact. les vendeurs. Et donc quand les païens arrivent, il voit le temps. Mm. Voilà. Et l'adoration, s'ils veulent adorer Dieu, c'est fini, c'est foutu. Euh, on a l'exemple dans, dans le livre des actes de l'Éthiopien. Mm. L'Éthiopien mm. qui a fait tout le voyage mm. pour chercher des réponses à ses mm. questions. Mm. Il lisait la parole, mais il, il avait encore des, 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 des questions. Voilà, des questions. Mm. Il, il est venu à Jérusalem pour trouver ses réponses. Mm. S'il était arrivé à l'époque où Jésus était là, avant qu'il chasse les, mm -hmm. les voleurs et les démons euh, les voleurs voilà, et mm -hmm. les vendeurs les vendeurs euh, il, serait, il serait complètement perdu mm -hmm. mais c'est ça le, le temps plutôt et donc voilà, dans ce contexte là mm -hmm. la réaction de Jésus elle, elle est voilà, propre à ce contexte mm -hmm. euh, pareil pour Néhémie, Néhémie. Voilà. propre à ce contexte euh, Néhémie voulait s'assurer que les personnes qui étaient là comprenaient la gravité de acte. Mmh. donc c'est dans ce contexte là mmh. je ne peux pas prendre ce verset là et dire est ok contexte, hein. si Néhémie a fait ça voilà. moi aussi je peux en mmh. tant que leader mmh. ou en tant que parent mmh. me mettre à arracher les cheveux c'est ça euh, c'est ça donc on va pas on va pas accepter on ni tolérer ça non voilà hein, alors L'école du savoir nous donne sur, sur, sur une phrase hein, quand Néhémie euh, dit que, enfin, Néhémie leur fait des reproches et les maudit. Ne pensons pas que Néhémie ait employé un langage <coughs> ordurier ou des jurons. Mm -hmm. Il a plutôt prononcé sur eux les malédictions engendrées lorsqu'on quitte l'alliance. Mm -hmm. est ce qu'il a fait, il a fait rappeler voilà. euh, toutes les malédictions mm -hmm. et pour, pour, pour démontrer au peuple que c'est ce qui arrive aujourd'hui, mmh. c'est ce que nous traversons aujourd'hui. Mmh. Et nous sommes là aujourd'hui à cause de ça, mmh. à cause de ces pratiques-là. Mmh. Voilà. voilà, donc euh, qui aime bien châtie bien, euh, mmh. ne prenons pas pour agent comptant ce, <laughs> cet adage-là. Hein. En mmh. tous les cas, on se retrouve devant les tribunaux. Hein. Si ce n'est pas de, devant les tribunaux du ciel, c'est devant les tri tribunaux humains que mmh. ça se règle, ce genre mmh. d'affaire-là. Hein. Donc voilà, évitons, évitons d'aller sur ces genres d'affaires-là. Donc voilà, euh, néhémie, donc par rapport à ces mauvais choix-là des enfants d'Israël, eh bien euh, se rend compte qu'il doit faire quelque chose et bon, il lance un message fort. Hein, euh, et même ces humiliations peut-être se faisaient en public. C'était une pratique de l'époque hein, mmh. que j'ai entendu aussi de mes grands-parents hein, que ça se faisait à l'époque. Euh, le, le, le pouvoir de l'institut le pouvoir du, du maire le pouvoir du, 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 du pasteur du, mmh. du, du, du curé pardon pardon pour ces, pour ces fonctions que je que je que, que hein, mais ils avaient tout pouvoir mmh. et donc tous les travers étaient possibles hein, et imaginables donc aujourd'hui ne jamais ne jamais tomber donc dans ces travers là ne surtout pas prendre ces textes-là comme des prétextes pour oui tout à fait voilà, pour faire la même chose tout à fait alors dans ces dans cette interdiction en tous les cas le la leçon nous parle de que il n'y avait rien à voir donc cette euh, je reviens un petit peu sur la langue hein, euh, de, la, la pratique de la langue non la non pratique de la langue des enfants euh, issus de ces mariages mixtes là eh bien ça n'avait rien à voir avec le patriotisme, le mmh. nationalisme. C'est un sentiment, certes. Hein, lorsque je suis allé en France euh, euh, pour, euh, pour des études, j'ai senti ce, ce, nation, ce patriotisme monter en moi et j'ai cherché à parler le thaïtien mais a personne en face. Hein, pour parler le thaïtien en fait, ça, ça avait un lien avec l'idolâtrie. Mmh. Ça a rien à voir avec ce sentiment de, de patriotisme, de national, na, na, nationalisme. C'est l'idolâtrie que, que, que Néhémie, que Esdras, pointait du dos. La, la, la lutte, le, le combat dont, avec ces mmh. deux leaders mmh. et le peuple d'Israël ne, ne portait pas sur le, on va dire, ce, ce mélange de, de nations. Mmh. Mais porté seulement sur l'idolâtrie mmh. et la véritable adoration. Oui, voilà. C'était là leur combat. Mmh. Et, et dans ce contexte-là, ce qui entravait, on va dire, euh, le, la, cette réforme, ce retour vers Dieu, mmh. c'était mmh. ces mariage mixte. Mmh. Alors, lorsqu'il y a un mariage mixte, euh, une des conséquences, c'est que... On ne pratique plus la même foi, on va épouser souvent le, la, la foi de l'autre, et parfois même il n'y a plus de foi. Mm -hmm. La foi disparaît. Est-ce que c'était le cas des enfants d'Israël Est-ce que aussi ça peut être notre cas aujourd'hui mm. La foi que j'ai euh, vécue, alors j ai, j ai, je, je ménage mes, mes mots quand je dis vécu parce que. Ce pas la foi que j'ai hérité de mes parents, hein, mais c'est vraiment un vécu. La foi, c'est un vécu. Eh bien, cette fois là peut. Euh, euh, je peux épouser une autre foi, mais je peux aussi, euh, avec ces, ces, ces mariages mixtes-là, eh bien, ma foi va s'étioler et disparaître. Mmh. C'est bien c'est bien le cas, parce que. Euh, ce n'est pas une fatalité. Ok. Ça veut dire que Merci. ce n'est pas forcément <laughs> le résultat final. Okay. Mais il y a plus de risques à tendre vers. Okay. Euh, mm. On a un exemple qui est cité dans l'école de Sama du grand roi Salomon. Salomon, tout à fait. Euh, le roi, grand roi Salomon, mm -hmm. avait reçu un don particulier de Dieu, la sagesse. sagesse. Mm. Il avait demandé à Dieu de lui accorder la sagesse. Et mm -hmm. Dieu lui a donné la Pour sagesse. Pour diriger et juger son peuple. Pour diriger et juger son peuple. Et il a fait preuve voilà, de discernement mm. dans plusieurs histoires que nous mm. connaissons du roi Salomon. Mm. Mais même avec toute cette sagesse-là qu'il avait reçue de Dieu, de Dieu lui-même, euh, Salomon est tombé. Mm. Est ça. Et malheureusement, il, il a... <laughs> Il a épousé euh, plusieurs femmes. <coughs> et la Bible nous dit qu'il a eu 300 ça. femmes et 700 concubines. Quelque chose comme ça. Voilà. Ah. Et donc, avec ses mariages, il a fait venir aussi, il a fait construire hein, des temples pour ses concubines, mm -hmm. etc. Et ça... sinon, je vais dire à mon papa. Exactement. Résumé, hein? Exactement. Et, et mon papa, ce sont des alliances ben, les alliances vont être rompues. Et voilà, hein? voilà, et, et donc, <coughs> si ce grand roi Salomon, mmh. avec cette sagesse qui vient de Dieu, n'a pas réussi à rester ferme dans, mmh. ce, dans, dans sa foi avec Dieu, mmh. cela montre bien la complexité mmh. de, tout voilà, tout de ce mariage mixte. Tout à fait. Voilà. Mais je, je tiens à souligner que ce n'est pas une fatalité. Oui. Parce que nous avons mmh. autour de nous des exemples de personnes qui mmh. ont épousé. Une autre personne d'une autre mm -hmm. voilà, religion Tout du à nom, fait. Ou, ou qui était athée, mm -hmm. qui non seulement sont restés fidèles mm -hmm. à Dieu, mais aussi ont, ont réussi à conduire, à amener avec eux oui. leur époux et leur épouse. Mm -hmm. Voilà. C'est ça. Et, et, et ça, c'est formi... <coughs> formidable. Hein? Donc, de pouvoir. Euh, c'est toujours l'inquiétude le, 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 d'un parent. De savoir qui va être le conjoint, qui va être la conjointe de son enfant, de mm -hmm. ses enfants. Et euh, on aura beau dire oh, c'est une question d'éducation. Non, le cœur a des raisons que la raison mm -hmm. ne connaît pas. Hein? Mm -hmm. Mais ça, on, on va en parler à la fin, je pense, hein? de, mm -hmm. ces, de ces peut-être conseils mm -hmm. qu'on pourrait euh, tirer de la parole de Dieu. Ou, euh, voilà. Hein? Donc, on va continuer un petit peu. Euh, alors, lorsque euh, euh, les, alors, je, Genèse chapitre 20, 24, verset 3 et 4, euh, et, je, euh, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu de, du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les cananiennes, parmi les filles Cananéennes, au milieu duquel j'habite, et, et, et j'aimerais. Insister sur ce, sur, ce, sur, ce, sur ce que dit donc, euh, Isaac, hein? donc, euh, m'aide à aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Fa... Pardon, c'est Jacob, pardon, pour mmh. parle pour Isaac. Isaac. Alors, il vit parmi les Cananéens mais il n'y a pas cette acculturation, il n'a mmh. pas, cette... pas épousé les pratiques cananéennes mmh. Donc, il y a un espoir même, en Canaan, exact. on peut vivre en chrétien. Et, et comme tu peux, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, c'est un père qui s'inquiète pour, pour voilà. son fils. Tout, à fait. tout et à fait. Il voit les dangers, il voit les influences possibles. Euh, mm. Et donc, il va, il va conseiller à son fils, il va dire à son ami, écoute, il faut que tu rentres chez moi mm. et que tu cherches une épouse pour mon fils. Une mm. épouse qui, qui connaît Dieu, une épouse mm. qui connaît mm. qui. Mm. qui, mm. qui mm. Parce que... La canadienne pourrait le détourner mmh, de mmh. sa mission. Parce qu'il sait que c'est ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Il l'a vu de ses mmh. yeux, et il l'a entendu. Voilà. Et donc, il voulait absolument tout faire pour que mmh. son fils ait toutes les choses de son côté. Mmh. Voilà. Lorsque, euh, en, en tant que pasteur, tu vois dans ta famille, tu vois euh, des jeunes qui. Euh, euh, qu'on appelle, qui, qui, qui vont s'engager dans, une, dans une, euh, un engagement de, de relations mixtes ou bien d'attelage disparaître. Hein, mm -hmm. Ce sont les termes que, que, qui nous sont donnés dans notre leçon de, de cette semaine. Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner En parlant de mauvaises décisions, il fut un temps, euh, au tout début de mon ministère, où j'étais on va dire, euh, très carré. Mm. Et quand je rencontrais euh, mm. des, des, des amis, des jeunes, des personnes qui s'engageaient dans, dans ce type de relation, mm. euh, je, je sortais les textes. Mm. Paul a dit, blablabla, blablabla, je sortais comme ça. Et je ne me rendais pas compte mm -hmm. de, de l'impact de mes paroles. Mm. Aujourd'hui, en prenant mmh. du recul, euh, je, je regrette beaucoup. Mmh. Et lorsque je, je les rencontre, ces amis-là, euh, je leur demande pardon pour ce mmh. que j'ai dit. Mmh. Euh, on, on a parlé de la loi mmh. et de l'esprit de, de la loi. L'esprit de la loi. La loi, il est écrit. Mmh. L'esprit de la loi. Je vais t'accompagner. Voilà. Mmh. Et donc, pour moi, en tant que pasteur aujourd'hui, lorsque je, je rencontre des jeunes qui s'engagent dans ces relations euh, mixtes, c'est des termes que je n'aime pas. Oui, oui, c'est <laughs> là. Bon, Mais voilà. Voilà. Et bon, la Bible utilise fois, même. Voilà, des termes encore plus drastiques. Ce que je fais, c'est que je, je fais tout pour eux, les accompagner. Hmm. On a un outil aujourd'hui, un manuel de cours de préparation au mariage. Mm -hmm. Donc, je, je prends le temps avec ces couples-là pour euh, aborder ces questions, mm -hmm. euh, mettre en avant voilà, les dangers, etc. Mm -hmm. Parce que souvent, quand on est en fréquentation, ce n'est pas forcément des thèmes qu'on aborde dans les mm -hmm. discussions. Mm -hmm. Quand on est en fréquentation, on, on parle en plus ville, de. Voilà. Voilà. Est-ce que, est que tu aimes le chocolat mm -hmm. que, voilà. <coughs> Mais on a. Très rarement, les couples abordent ces sujets-là. Mm -hmm. Donc, pour moi, en tant que pasteur, je, je, je les accompagne mm -hmm. et je les pousse à réfléchir. Voilà, J'essaie d'engager cette réflexion-là. Mm -hmm. voilà, bien en amont. Coup, bien en amont. Voilà, tout à fait. Et de, voilà, mm -hmm. de leur faire comprendre que voilà, le chemin que vous, vous empruntez-là, vous allez arriver à des carrefours de décision. Mm -hmm. Où il va falloir prendre des décisions importantes mm -hmm. et difficiles, mm -hmm. euh, par exemple, euh, cette histoire de culte. Mm -hmm. Quand bébé arrive, mm -hmm. euh, il va à quel culte? Parce que on, forcément, on a la pression <laughs> des parents. Hein. Mm -hmm. Voilà, s'il s'agissait que de nous deux, on pourrait peut-être s'entendre tomber sur une Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais Derrière, il y a si c'est deux. Deux entités diff bien différentes, euh, <coughs> pardon, deux dénominations bien différentes, deux ob obédiences hein, bien différentes, mm -hmm. eh bien, on aura les pressions. Hein. Je m'appelle d'un couple. Euh, le, le conjoint, le mari, était d'une autre religion, on parle mm -hmm. les oui, religions. Voilà. Mm -hmm. et l'épouse d'une autre religion. Mm -hmm. Ils ont eu un enfant. Le couple était venu me voir euh, en désespoir. Mm -hmm. Parce qu'il y avait une dispute énorme, pas entre deux, mmh. mais entre leurs familles. Une famille voulait que cet enfant suive <laughs> tel enseignement, ça. et l'autre famille voulait que l'enfant suive tel enseignement. Et ils avaient posé des ultimatums. Mmh. Si vous mettez bébé là-bas, on ne le considérera plus jamais mmh. comme notre moto mmh. C'est terrible. C'est terrible. <coughs> Ce couple-là était perdu, mais mmh. vraiment perdu. Alors, tout ce que je leur ai dit, je leur ai dit, le plus important aujourd'hui pour Dieu, c'est que tous les deux vous soyez d'accord. Mmh. Que tous les deux vous vous souteniez mutuellement. Mmh. Euh, et que tous les deux vous vous engagez avec Dieu. Ça. Le vrai Dieu. Mmh. C'est lui qui vous dira les portes. Ça. ça prendra le temps qu'il faudra, mmh. mais c'est lui qui vous les portes. Mmh. Euh, trois ans après, ils sont revenus me voir et me dit, « Pasteur. Ah, on se parle toujours pas. Mmh. Il ne veut pas avoir bébé, mmh. etc. C'est pas grave, on continue à prier, on continue mmh. à prier. Trois ans plus tard encore, ils sont revenus au voir, me disent Ils sont revenus, ils ont demandé pardon. Oh, magnifique. La meilleure stratégie, ce n'est pas de leur tomber avec les textes, mmh. Mmh. mais de les faire voir que c'est un chemin difficile. Mmh mais comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité. Mm. On a un Dieu tout puissant, tout puissant, qui a créé le monde à partir du rien. Donc il n'y a pas de situation impossible à Dieu. Il n'y en a pas. Mm. Dieu fait des choses mm. à partir de rien. Alors cette situation-là, elle est difficile, certes, mais mm. le Dieu que nous servons c'est sa spécialité. C'est le dieu de l'impossible. <laughs> Donc voilà, la meilleure méthode, mm. lorsque nous rencontrons ces jeunes mm. qui s'engagent dans ces relations-là, ce n'est pas de les... Le, de le, dissuader. De les dissuader, mm. ou même pire, de, de tourner le dos. Mm. Et dire, voilà, quand, quand vous allez... Avoir des soucis. Ou régler vos situations mm. voilà, C'est une expression que je, je déteste. Hein, quand on... Régler d'abord votre situation, voilà. après... À Froméa, voilà. mm. c'est là que mm. mm. c'est là c'est là qu'ils ont besoin, exactement. Mm. C'est là qu'il faut être présent pour eux. Mm. Mais si on décide de leur tourner le dos et on leur dit non, c'est à vous de venir vous coller, un mm. 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 Dieu n'a jamais fait ça. C'est Dieu qui est descendu, c'est <laughs> Dieu ça. qui est venu sur la croix. Mm. Voilà. D'accord, Esdras, chapitre 9, verset 1 à 15. Nous n'allons pas tout lire. Après cela, je fus déterminé. Euh, termine, euh, après que cela fut terminé, pardon, les, les chefs s'approchèrent de moi en disant Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne, sont point, euh, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananiens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, et, et, etc., même chez les Égyptiens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte ayayay aïe, 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 avec les peuples de ces pays et les juifs et les chefs pardon et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché voilà donc euh, voilà l'état ce sont les enfants les, les ceux du peuple donc qui viennent euh, voir euh, euh, Esdras hein? et lorsque j'entendis cela je déchirai donc une autre réaction donc même situation mais une autre réaction mm -hmm. Je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête, voilà, je n'ai pas arraché ceux des <laughs> autres, mais les miens, et les poils de la barbe, je m'assis là, désolé. Voilà, voilà, donc, euh, après, bon, ben, je restais assis, désolé, mm -hmm. et verset 5, euh, jusqu'à l'offrande du soir, et après l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau, déchirés. je tombais à genoux, j'étendis les mains, vers l'éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Donc, dans le texte de base, mmh. hein, j'ai honte, ô oh mon Dieu, de lever la, ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'au ciel. Donc, voilà un petit peu euh, coupable. Hein, donc, mmh. euh, on s'est livré à l'impudicité et tout. Voilà donc deux réactions de chef. Hein. Donc, euh, que penser de la réaction donc d'Estrace Esdras réagit complètement différemment. Deux personnalités différentes. Voilà. Personnalité différente, hein. voilà. Mm. Mais dans le fond, il y a ce même sentiment. Mm. Ce sentiment de, de culpabilité, ce sentiment de, mm. de déception. Mm. Euh, L'École Saba nous dit, nous donne une, situation, une citation de, de Prophète et Roi. Hein. Il dit que le cœur d'Esdras de, fut profondément bouleversé. Mm. Il pensa à la bonté de Dieu qui avait permis à ses enfants de prendre pied à nouveau dans leur terre natale. Mmh. Et il fut comme accablé par une indignation et une douleur légitime. Mmh. Donc, on a un leader là qui voit la même chose qu'un Néhémie a vu, mmh. mais une réaction différente. Mmh. Et, et, il va prendre lui, mmh. et dans, ça, dans, dans le texte à mémoriser, il va mmh. s'identifier. Voilà aux enfants mm -hmm. et il va se mettre dans le même dans le même groupe Seigneur là on a péché contre toi j'ai honte mm -hmm. tu as été bon avec nous tu nous as ramené à la maison mm -hmm. mais nous de notre côté on n'a pas tenu notre part mm -hmm. de l'alliance c'est ça mm -hmm. voilà. okay. deux réactions complètement voilà. deux réactions complètement différentes mm -hmm. mais la même visée mm -hmm. la même vision mm -hmm. ramener le peuple qui s'est égaré. Donc, euh, on le voit au verset 15, Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de rachete, réchappé, pardon. nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Voilà. Nous euh, nous sommes éloignés de toi, et en nous éloignant de toi, eh bien, on disparaît. Mais euh, on ne peut pas non plus à ce moment-là subsister devant ta face parce que nous sommes loin de toi. Donc, comment, comment se fait ce, ce retour-là Est-ce qu'une personne peut, peut initier ou un groupe de personnes Ou bien il faut que la majorité adhère à, ce, à ce, ce, cette reconnexion, ce, ce, cette réforme pour que la réforme prenne et que. Comment. Dans, dans ce contexte pré précis d'Ezra, euh, il ne s'agissait pas de ramener 50% ou 60% du peuple à Dieu. C'était vraiment un retour 100%. Voilà, à 100%. Et donc, Ezra va, va initier des actions qu'on qu va voir après mm -hmm. pour que tout le monde mm -hmm. puisse revenir à Dieu. Okay. Et donc, Ezra euh, va prendre le temps qu'il faut, étape par étape marche après marche mm -hmm. pour que tout le monde puisse revenir à Dieu voilà ok alors allons allons sur ces, ces étapes hein, de des d'Esdras donc hein. euh, ok il s'est prosterné il pleurait euh, ah tu dis verset 3 verset 3. Vas-y, pasteur. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour mmh. le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Mmh. Terrible. C'est plus que terrible. C'est drastique, c'est catastrophique. Hein? Mmh. Donc, la stratégie d'Esdras, mmh. elle est là. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est la plus violente des de stratégies, <laughs> à aller arracher les cheveux ou bien séparer les familles. Ah, et en, encore une fois, c'est pour souligner, on va mm -hmm. dire, euh, cet, cet objectif de retour total à Dieu. Mm -hmm. Et encore une fois, c'est donc bien dans ce contexte mm -hmm. précis mm -hmm. euh, le choix d'Esdras d'aller voir toutes les familles, mm -hmm. tous les couples. Mmh. Où il y a eu ces mariages mixtes. Mmh. Et de prendre ces femmes avec leurs enfants et de les ramener chez eux, mmh. c'est. Pas simple, hein? Et c'est lourd de conséquences aussi. C'est lourd hein? de conséquences. C'est une décision qui est vraiment. Parce que, en fait, ce pas le couple qui décide de, de mmh. divorcer. Mmh. C'est une décision institutionnelle. Alors. Du, du, du leader, voire de Dieu euh, Alors, voilà. ça va aller plus loin. Oui, alors que c'est Dieu qui a institué le mariage. Justement. <laughs> ok. Euh, ouais. Esdras, euh, il va utiliser deux termes hmm. pour ces couples-là. L'école de Saba nous donne hmm. ces, ces deux termes. Hmm. Deux termes hmm. hébreux, hmm. Euh, qui ne sont pas des termes qui sont utilisés dans le contexte du divorce. C'est ça. Alors que j'ai prononcé le divorce, hein. mmh. voilà. Et donc, le mot, le mot. Pardon, j'ai pas prononcé le divorce, j'ai prononcé le mot divorce. Le, le, mot, le mot, le mot, divorce. Et donc, dans ces termes-là, mmh. les deux termes séparés, renvoyés, euh, ne sont pas utilisés dans le dans le cadre du divorce. Cela veut dire que pour Esdras, ces mariages-là euh, ne sont pas légitimes. Mmh. Non, pas de validité. Voilà. voilà. C'est c'est important de comprendre ça, mm. parce que si voilà. parce qu'en fait ça se situe en amont exactement. Mm -hmm. Pour Esdras, ces mariages-là, ce ne sont pas des mariages qui ont été approuvés par Dieu. Mm. Ce ne sont pas des mariages qui ont été. Euh, je cherche un thème plus plus adéquat. Euh, Peu importe le thème, euh, franchement. Franchement, les amis, hein, on est en direct voilà. et euh, peu importe le thème qui va, qui va sortir, on euh, pourra toujours épiloguer hum. sur ce que Pasteur est en train de dire. Peu importe, Pasteur. Voilà. Voilà, ce hein? ne sont pas des, des mariages que Dieu a validés. Mm -hmm. Et donc, quand Esdras va parler de séparation et de renvoi, mm -hmm. il, va, il va intentionnellement utiliser ces deux mots-là. Mm -hmm. Ou... Il n'entend pas de divorce mm. parce que pour Esdras, ce ne sont pas des mariages que Dieu a acceptés. Okay. Donc pour lui, il n'y a jamais eu de mariage. Mm -hmm. Mais il faut faire attention aussi que dans, quand Esdras va mettre en place ce, on dit, cette réforme mm -hmm. de renvoyer ses femmes, il ne s'agit pas de OK, toi tu rentres chez toi, c'est fini, pas mm -hmm. ça. Non, mm -hmm. uh, il y avait tout un système d'accompagnement. Euh, les familles devaient faire en sorte que ces femmes ne rentrent pas sans rien. Mmh. Ces femmes n'étaient pas seulement renvoyées chez elles avec voilà, tu prends les enfants et, et vous partez. Mmh. Mmh. Et, et il y avait voilà, Ezra ça a mis en place tout un système pour accompagner ces femmes. Mmh. Et euh, donc d'ailleurs ça a pris un, un cercle, trois mois je pense. Ça a pris pas trois mois. Voilà. Voilà. La ouais. première vague a pris trois mois mmh. et ça a pris le temps qu'il faut pour mmh. euh, et au cas par cas en, en avancer. Hein, ouais. donc, ça démontre aussi une chose, c'est que Esdras n'a pas voulu simplement dire, ok, là maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est fini, vous rentrez chez vous et point mm -hmm. final, on mm -hmm. en parle plus, c'est fini. Mm -hmm. Esdras a pris le temps. Mm -hmm. Trois mois, c'est long. Mm -hmm. A pris le temps qu'il faut pour amorcer, mm -hmm. pour pour rendre ce ce moment-là on va dire moins dur. Mm -hmm. Parce que si, si, on, si on prend le temps de bien réfléchir, séparer des enfants de leur père, c'est terrible. C'est terrible. Mmh. terrible. Je me pose toujours la question, peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Hein. Euh, <coughs> voilà. Des mmh. familles sont séparées. Alors, les, à l'époque et aujourd'hui encore, il y a ce qu'on appelle le candidaton Donc, que vont penser donc les nations environnantes, même les familles vers lesquelles vont rentrer donc ces femmes-là et leur, et leur euh, progéniture, leurs enfants quelle, quelle image, quelle image donc euh, ils ont de ce Dieu Est-ce qu'ils ont compris que c'était un Dieu et accepté que c'était euh, de deux mondes différents, et est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné des situations peut-être où il y a eu ces mariages euh, euh, mixtes d'origine différente et pour autant les enfants, la famille ont continué à adorer Dieu? Mm -hmm. Alors, on a plusieurs exemples de, 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 dans la parole de Dieu. Hein? Mm -hmm. Un exemple qui me vient tout de suite là à l'esprit, c'est Boaz et Ruth, deux nations complètement opposées. Moabite. Moabite, voilà. Alors, abomination aux, aux yeux de Dieu. Hein? C'était le, on va dire. Euh, le, summum, hein? voilà, le summum. Voilà, le euh, summum pour un mariage. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, mais ce, au travers de ce mariage-là, au, au travers de, 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 de Ruth, de son exemple, de sa vie, etc., elle, elle va conduire Boaz mmh. à Dieu. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité. Mm. Euh, la question que tu as posée est, est compliquée. Mm. Euh, y, y, y a... Et je ne trouve pas, je, je veux pas trouver de réponse <laughs> ici. Hein. S'il y a un, une, une, une bribe de réponse, voilà, c'est. Il faut vraiment remettre dans, 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 dans le contexte. Mm. L'objectif de Dieu, à cette époque-là, de, de Néhémie et c'était de... D'extirper. Voilà. Et de rebâtir son peuple. Mm -hmm. Recommencer à zéro. Voilà. Pour que son peuple retrouve sa place. Mm -hmm. Le plus grand de tous les peuples. Mm -hmm. Conduit et porté par le seul et mm -hmm. unique vrai Dieu. Mm -hmm. Ils ont pris des décisions. Mm -hmm. Des mauvaises décisions. Qui ont engendré ces conséquences-là. Mm -hmm. Et pour que voilà, cette, ce retour soit faisable, mm -hmm. il a fallu passer par là, voilà. malheureusement. Mm -hmm. Mais je suis convaincu que Dieu n'a pas tourné le dos mm. à ses femmes et ses enfants. Ça, c'est le Dieu que je connais. C'est le Dieu que je sais. <laughs> c'est le Dieu que je connais. Euh, parce que l'objectif de Dieu, au travers de ce peuple, mm -hmm. ce n'est pas seulement d'avoir un peuple à lui, mm -hmm. mais c'est qu'au travers de ce peuple-là, il puisse toucher mm -hmm. le, le monde mm -hmm. entier. Mm -hmm. Donc, l'objectif de Dieu, c'est le salut de la terre entière. Ça. Mm -hmm. Mais pour pouvoir aller là, mm -hmm. il a besoin d'un peuple qui soit consacré à lui. Mmh. Il faut qu'il voilà, il qu y ait cette relation-là pour qu'au travers de ce peuple-là, mmh. on puisse conduire les autres nations à lui. Mmh. Et Dieu ne pouvait pas s'appuyer sur un peuple qui avait un pied dedans, un pied dehors. Mmh. Et, et ça, c'est une chose que l'on ne doit jamais oublier. Le but de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Mmh. Mmh. C'est de sauver tout le monde. Alors, dans ces, les chiffres, hein, donc dans, dans, dans les listes, en tous les cas qui sont donnés, il y a 111 femmes qui ont été renvoyées avec le, 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 leurs enfants, et il y en a 4 qui ont refusé. Hein, donc, ils sont nommés au verset 15, Esdras 10, verset 15 Jonathan, fils d'Azaël, et Jashia, pardon fils de Tekva, Tikva, pardon appuyé par euh, Meshulam et par le lévite Shabtai, donc furent les seuls à combattre cet mmh. avis. Bon, voilà. Hein, donc il y a quand même une euh, euh, voilà, c'est pas on dicte, mmh. et, voilà, on, on, on dit aussi son avis. Hein. Et ce, ce verset là nous montre bien que Dieu ne va pas forcer. Mmh. Si tu ne veux pas, voilà. c'est ouais. ton choix. Mmh. Ils n'ont pas été exclus du peuple, ils sont restés là. Ils sont restés là. Donc, hein? oui. Donc, alors, au verset, verset 19, euh, ils ont quand même offert un bélier en sacrifice de culpabilité. C'est qu'ils ont reconnu, voilà, voilà, les conséquences de leur, de leur mmh. décision, mmh. De leur mauvaise décision. Voilà. Donc, euh, pasteur, c'est important la leçon que nous avons aujourd'hui. Hein? Euh, pour euh, <coughs> revoir encore un petit peu l'impact euh, aujourd'hui par rapport à ces, ces familles-là, on ne peut pas inventer. Hein. Mmh. Nous n'avons pas d'informations sur ce que ce qu'est devenu ces épouses-là et leurs enfants, mmh. ni l'impact euh, que cette action donc de les renvoyer a hein, eu sur eux et sur leur communauté. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous faisons des actes, nous posons des actes et nous connaissons parfois même souvent, peut-être pas les, les conséquences de nos actes. Nous ne mesurons pas les conséquences de nos paroles, les conséquences de nos actes. Oh, j'ai fait juste pour jouer. Mmh. On ne sait pas l'impact sur ces 111 femmes. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Euh, alors, une fois, une fois, donc, j'ai entendu un témoignage à l'église, me concernant, concernant notre famille, où il y a eu un, un exemple pour que cette personne-là aussi puisse se donner à Christ. Merci Seigneur. Mm. Mais combien de personnes se taisent pour dire oui, mais cette fois-là, tu m'as blessé mm. Cette fois-là, euh, j'ai quitté l'église à cause de toi. Tout à fait. L'impact. C'est la raison pour laquelle euh, Jésus a dit un jour avant de dire quoi que ce soit, tourne ta langue cette fois. Avant de poser chaque action, réfléchis bien mm. à ce que tu fais. Euh, je m'appelle la semaine dernière, je, je m'amusais avec mon ennemi Et moi, je suis convaincu que. Que Dieu il continue à me modeler au travers de ma relation avec mes enfants. Hein, oui. Je, 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 je m'amuse avec mon, mon aîné, on se taquine. Mm -hmm. ou... Et à un moment donné, comme tu l'as dit, sur le temps de la blague, je lui dis quelque chose. Mm -hmm. Je lui lance une taquinerie pour moi. On est, on est dans le contexte du jeu, etc. Voilà. Mm -hmm. Une fois la parole partie, elle n'a plus bougé. Elle est restée debout devant moi mmh. et j'ai vu les larmes couler. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait mmh. Mmh. Je me suis vite assis à côté d'elle. Mmh. Je, je l'ai prise dans mes bras. Elle ne voulait pas venir. Mmh. Elle était restée blessée, debout comme ça, mmh. figée. Mmh. Mmh. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit quelque chose mmh. et je l'ai blessée. Mmh. Je l'ai porté, bien mm. qu'elle ne voulait pas venir, je l'ai porté. On est allé ensemble, tous les deux. Mm. Euh, on s'est assis dans le salon. J'ai dit Mon bébé, papa est vraiment, vraiment, vraiment désolé mm. pour ce que je viens de te dire. Mm. Elle a continué à pleurer. Mm. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit Ne me dis plus jamais ça. Mm. C'est resté gravé là. <laughs> C'est resté gravé là. Et j'ai loué Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir corriger retirer, ce, hein. que fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Mm -hmm. Et mes chers amis, même sur le temps de la blague, mm -hmm. l'impact peut être désastreux. Tout à fait. Mm -hmm. Et quand on voit mm -hmm. l'impact que nous avons eu été Négatif et dévastateur. Mm -hmm. Il faut tout faire pour corriger ça. Mm -hmm. Et demander à Dieu d'ouvrir une porte pour mm -hmm. que vous puissiez corriger ça. Mm -hmm. Parce que ces blessures-là, si on ne les soigne pas, mm -hmm. elles vont rester ouvertes. Voilà, ce sont des blessures ouvertes à vie. Mm -hmm. À vie. On vient dans le Nouveau Testament. Hein? Paul donne des conseils hein, par rapport euh, donc à ces, euh, ces mariages euh, de personnes qui ne sont pas de la même euh, euh, obédience. Donc 1 Corinthiens, euh, chapitre 7, verset 10 à 17. Hein? Mm -hmm. que, que dit Paul vraiment Je pense qu'on a un peu le temps de lire. Hein? Mm -hmm. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, <coughs> mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si mm -hmm. elle, elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà, deux, propos, deux, deux, deux options mm. et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, eh bien, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie, ne répudie pas son mari. Car. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le, par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc Dieu nous a appelés à vivre en, fait, en paix. <laughs> voilà. Donc... Euh car, pardon, dernier verset 16, car, euh, que sais-tu, femme, si, si tu sauveras ton mari, et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Mmh. Voilà, on voilà a un petit peu le... Qu'est-ce que Paul nous dit dans, dans ce texte-là, que... Bon, déjà dans le verset 10, mmh. euh, Paul rappelle à, à tous l'importance de cette institution qu'est le mariage. Mmh. Euh, le mariage au même titre que le sabbat. Ce mm -hmm. sont deux institutions que Dieu n'a pas changées, mm -hmm. même après le péché. Mm -hmm. Après l'Éden, le sabbat et le mariage sont restés tels quels. Mm -hmm. Deux institutions sacrées, mm -hmm. instituées par Dieu mm -hmm. pour l'homme. Mm -hmm. euh, donc, dans le verset 10, euh, Paul rappelle encore au monde de Corinthe et à nous aujourd'hui mm -hmm. que le mariage, ce n'est pas une institution... Voilà, Apprendre prendre à la légère. À la légère voilà. Voilà. Mmh. Quand on s'engage avec... ne va pas tester Exactement. Mmh. Quand on s'engage mmh. avec quelqu'un dans les liens sacrés du mariage, c'est un engagement jusqu'à la mort. Personne ne sait pas ce que Dieu veut Exactement. A et donc, à, à tous ceux ou toutes celles qui, qui empruntent ce chemin-là, mmh. voilà. il, faut, il faut vraiment prendre le temps de, de bien poser chaque chose et de réfléchir à cet engagement-là. Mmh. C'est un engagement à vie. Mm. Euh, c'est un engagement à vivre avec cette personne jusqu'à son dernier souffle. Mm. Voilà. Et le mariage, c'est une institution sacrée. Mm. Donc c'est ce que Paul rappelle ici. Donc quand il dit si si le mari et la femme se séparent, qu'elles ne se remarient pas, mm. mais qu'elles cherchent la réconciliation mm. pour revenir ensemble. Mm -hmm. Donc voilà. Dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Oui. Toujours. Voilà. Il fait beau, il ne fait pas beau. Voilà. Mm -hmm. Mais il faut tout faire pour que voilà, ce, ce, cet engagement que mm -hmm. vous avez pris ne soit pas brisé. Mm -hmm. L'alliance voilà. okay. La du mariage, c'est mm -hmm. important. Okay. Voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Euh, euh, au travers donc de cette euh, union, <coughs> eh bien le non croyant est quand même <coughs> béni. Et pardon, est béni, pas quand même, pardon. Voilà. Hein, donc euh, c'est les, les, les effets hein, de la bénédiction du Seigneur ne s'arrêtent pas sur nous, mais <coughs> voilà, qu'on soit pas avare. Hein, des bénédictions du Seigneur. <laughs> et et J'aime bien ce que, que Paul, la, la manière dont Paul dit les choses. Mm -hmm. Quand il dit au verset 10, le mariage, c'est ainsi. Mm -hmm. C'est une incision sacrée. Mm -hmm. voilà, que, donc, ne, ne, que vous, femmes, ne soyez pas séparées de vos mm -hmm. maris, vice-versa, mari, mm -hmm. mm -hmm. cherchez toujours à vous réconcilier. Au verset 12, il va changer. Il va mm -hmm. dire maintenant, c'est pas le Seigneur, c'est bon. moi. C'est mm moi. -hmm. Et il va mettre en avant une... une... Il va éclaircir, on va dire, mm -hmm. sur cette question de mariage mixte. Mm -hmm. Quand on relit rapidement le verset, mm -hmm. si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente d'habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Mm -hmm. Le verset 17, verset 16, mm -hmm. car que sais-tu, femme, voilà. si tu sauveras ton mari mm -hmm. Ou que sais-tu, Marie, voilà. si tu sauveras ta femme mm -hmm. voilà. voilà. Parce que le verset 14 nous dit le non-croyant est sanctifié mm -hmm. par le croyant, mm -hmm. homme ou femme. Waouh. Donc voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, mm -hmm. il y a toujours cette optique-là de, de sauver tout le monde. Mm -hmm. voilà. Pasteur, aujourd'hui, donc c'est peut-être ma dernière question. Comment, comment que c'est en amont qu'on peut apporter la solution à nos enfants mmh. pour que ce risque soit moins grand d'aller donc épouser une autre une autre une autre religion mmh. comment comment éviter que nos enfants euh, changent de foi non oui je, je oui. Sais, pas, sais pas trop comment je vais poser je, cette ce <coughs> Mon ami Georges, hein, j'ai deux filles. J'ai trois enfants. <laughs> j'ai deux filles et, et j'avoue que c'est une de mes plus grandes inquiétudes mm -hmm. hein, par rapport à la, à la foi de mes enfants mm -hmm. et à leur futur mari. Mm -hmm. Et je, je prie tous les jours que Dieu puisse conduire mes filles mm -hmm. vers celui qu'il a choisi. Il a choisi lui. Pour voilà. elle. Mm -hmm. Je prie Dieu qu'il puisse les protéger, mm. toutes les deux, euh, de tous les hommes que Satan va mettre mm -mm. sur le chemin. Ouais. Voilà. Tout à fait. Euh, pour ma part, en tant que, en tant que papa, mon rôle aujourd'hui, je, je me suis engagé à le faire avec mon épouse aussi bien que je puisse le faire. Mm -hmm c'est de consolider la relation de mes filles avec leur Dieu mmh. de voilà de consolider leur relation avec le, leur Dieu de de tout faire pour que elles aiment Dieu mmh. plus que leur futur mari c'est ça c'est ça exactement ça hein. que Dieu soit toujours à la première place mmh. dans leur vie euh, et la meilleure manière D'enseigner cela à mes filles, et ça, ça c'est une chose que je reconnais, je suis pleinement convaincu, c'est de le montrer par mon exemple, mmh. que mmh. Dieu est à la première place dans ma vie. Mmh. Ce n'est pas facile, mmh. mais ce n'est pas non plus impossible. Mmh. Et donc, en tant que papa, je fais de mon mieux pour inculquer cela à mes enfants. Euh, il, y a, il y a deux semaines, en récupérant mon mmh. idée à l'école, mmh. On, on, on roule ensemble et je, 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 je vois dans le rétroviseur fait Nana un ami de classe. Mm. Je lui dis C'est ton ami et Elle me fait Oui, il, il est mignon. Ce, ce genre d'expression, voilà, ce sont des expressions qui, qui, qui sifflent <laughs> dans, dans, dans mon oreille. Euh, mais ce sont des expressions qui, qui me rappellent encore une fois euh, l'urgence. Mm. De mm. continuer à inculquer à mes voilà, enfants. Voilà, c'est pas demain, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Mm -hmm. C'est maintenant qu'il faut <coughs> consolider les bases. C'est maintenant qu'il faut voilà, mm. conduire nos, nos enfants dans cette relation avec leur Dieu. Mm -hmm. Et hier soir, je les, avais, je les avais amenés au lit, toutes mm -hmm. les deux, mes deux filles. Je dis attends, papa va se doucher, papa revient. Je suis allé dans la salle de bain. J'avais oublié de, de récupérer mes vêtements. Je, je retourne. Et je passe devant la chambre. La porte entre ouverte. J'ai vu mes deux filles à genoux sur le lit. Oh. Elles étaient en train de prier. Oh. J'ai appelé mon épouse. Viens voir. Mm -hmm. Madame est venue. Je dit, Regarde. Ouais. L'aînée est en train de prier. Et elle avait fait répéter à sa petite soeur sa prière. Mm. Je dis Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel beau témoignage. Et je prie de pouvoir voilà, continuer, continuer à, à, maintenir, à maintenir cette relation-là. Mm. Et c'est la clé. C'est la clé. On n'est pas à l'abri de leurs choix futurs Non, non. Mais aujourd'hui du, du tout. Et voilà. voilà. Je, je t'avoue que je ne sais pas comment je vais réagir quand elles vont amener leur premier. Euh, voilà. Ne sorte pas à la kalachnikov. Voilà. <rire> <rire> mais voilà, je, je, je prie Dieu tous les jours. J'intercède, je demande à Dieu voilà, de, de me donner tout ce qu'il faut mm -hmm. pour inculquer ça mm -hmm. à mes enfants. Donc voilà, le vœu, en tous les cas, le souhait d'un papa, d'abord, hein, mmh. avant d'être un pasteur, hein, de ce papa, donc, pour, euh, pour ses enfants, pour euh, ses deux filles. Eh bien, Seigneur, euh, Seigneur j'aimerais aussi donc te remercier pour les enfants que tu nous as donnés, pour les épouses, les époux que tu nous as donnés. Nous prions aussi pour que nos enfants, alors pas seulement nos enfants biologiques, mais le, nos enfants de l'Église mmh. puissent euh, expérimenter ce parcours avec, euh, avec Jésus, nos enfants de la famille, Exactement. pour qu'ils puissent expérimenter ce parcours avec Dieu, et qu'eux aussi puissent rencontrer Dieu, et qu'ils puissent à leur tour transmettre aussi mmh. à leurs enfants. Hein. Et, oui, et un conseil que j'aimerais mmh. donner à, à toutes les femmes qui ont épousé, un homme d'une autre religion mm -hmm. qui soit athée mm -hmm. ou les hommes qui ont épousé des femmes mm -hmm. ah, la meilleure manière de convaincre vos maris ou vos épouses ce n'est pas en montrant verset après verset mm -hmm. si vous faites vous partez dans cette direction là vous mm -hmm. c'est pas la meilleure méthode mm -hmm. La meilleure méthode, c'est de leur faire vivre le ciel dans votre couple. Dans, dans le couple, hein? Dans le mmh. C'est de leur montrer ce que Jésus a fait de vous. Ça. La personne que vous êtes devenue grâce à Jésus. Mmh. Si vous vous montrez... Euh, voilà ce que dit la Bible. Voilà. Mmh. Alors, alors, cette méthode-là, les femmes et les maris, elles, elles vont vouloir voir. Mmh. D'accord, ouais. c'est ce que la Bible dit, mais... Montre-le-moi. montre, -moi. montre, -le -moi. montre -moi. dis Dis-le-moi dans ton, ton vécu. Voilà. Mm -hmm. Et donc, faites vivre le ciel mm -hmm. dès aujourd'hui ouais, dans si. vos foyers, ouais, si. pour que elle aussi ou il aussi mm -hmm. puisse désirer aller au ciel mm -hmm. avec vous. Mm -hmm. Voilà. Merci. Je. Alors, est-ce que c'était ton mot de la fin Oui. Ok. <laughs> eh bien, chers amis, nous voulons vraiment vous remercier de. De nous avoir suivis, mais au-delà au de ça, de remercier le Seigneur de nous avoir donné ces magnifiques leçons. Euh, je, je dis toujours, euh, souvent, assez souvent même, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible ne cache pas les histoires, les vécus des hommes, surtout des enfants d'Israël. Lorsqu'ils s'éloignent, Dieu les ramène avec la houlette pour euh, les ramener vers la bergerie et quand ils sont là eh bien Dieu continue encore à les à les bénir hein. eh bien c'est ce que en tous les cas nous aimerions nous hein, que votre parcours avec le Seigneur soit une euh, soit, 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 soit un vécu soit 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 vivant et non pas euh, triste pour que cette euh, cette joie dans le service cette joie au contact de notre Dieu eh bien, Puisse être contagieux ce, ce, ce vécu-là avec notre Dieu pour que nos enfants puissent aussi, euh, peut-être par curiosité d'abord, peut-être par euh, conviction aussi, dire waouh, voilà ce que papa et maman vivent, et eh bien euh, voilà ce que papa et maman vivent, Eh bien nous, j'aimerais aussi vivre ce, ce moment extraordinaire, ce vécu extraordinaire. Avec notre Seigneur. Eh bien, chers amis, auditeurs et auditrices, nous voulons vous remercier. Et euh, oui, tu voulais dire quelque chose Je veux juste lire une partie oui. importante. La ah, là, conclusion de l'école va hein? rapidement. Euh, Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous faisons des choix contraires à sa volonté. Mm. Ça, c'est important pour nous important. De comprendre. Important. Et si nous lui demandons de l'aide, il nous la donne. Mm -hmm. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et s'attendre à ce que Dieu nous bénisse. Mmh. Mais plutôt que quand nous venons à lui avec mmh. un besoin et un cœur humble, il l'entend toujours. Amen. Voilà. Mmh. Merci, merci, pasteur, donc euh, d'avoir rappelé ce, ce dernier mot. Mmh. <laughs> voilà. Merci infiniment. Donc, euh, nous vous invitons à nous suivre à nouveau la semaine prochaine, hein, toujours à la même heure et euh, donc sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, sur les deux plateformes du Centre Média, YouTube et, et Facebook. Hein. Et sinon, vous pouvez aussi nous appeler euh, au 49 45 59 60. Euh, bien sûr, aussi, vous avez la plateforme donc, euh, Hope Channel, Hope TV. Eh bien, nous vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette belle leçon et ces euh, moments bénis avec euh, partagés avec notre pasteur euh, Wilfried et bien que ces, ces, ces conseils ces lois ces ordonnances que tu nous donnes que nous puissions les suivre euh, pas à la lettre mais à l'esprit c'est dans le bon nom de Jésus que nous te le demandons Amen mmh.